c'est connu, la maîtrise de l'outil informatique est l'une des clés de l'efficacité en entreprise. Les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie du Mali l'ont comprise et sont depuis quelques jours au Burkina Faso pour une formation sur la technologie. Un voyage d'études de 14 jours pour leur permettre une meilleure gestion des ressources humaines et financières de l'entreprise. Précision, Konsoun Koulibaly et Niaki Teda. Les membres de la Caisse nationale d'assurance maladie du Mali à l'école de l'International Business Software, IBS SRL, basée à Ouagadougou. Dans la capitale burkinabé, ils ont 2 semaines pour tout apprendre sur le paramétrage des logiciels, avec pour seul but professionnaliser davantage leur entreprise dans tous ses compartiments. Et pour y arriver, IBS SRL met l'accent sur l'autonomisation de la production à travers sa filiale SIM System. SIM System, c'est un outil de gestion qui intègre en fait toutes les fonctions de l'entreprise. Voilà, depuis la gestion des stocks, la gestion des approvisionnements, les ventes, la facturation, les devis, la gestion des immobilisations, la gestion de la paie et de la GRH. La présente session axe alors les travaux sur le paramétrage de SIM Congé. On est venu dans le cadre de certains paramétrages par rapport à SIM Pay. Là, on a développé SIM Pay. Là, depuis quelques années, 2-3 ans, on a mis en place SIM Congé. Là, on est en train de faire un paramétrage de SIM Carrière. Donc, paramétrage et formation. De la gestion des ressources humaines à la comptabilité générale en passant par la gestion des devis de la facturation, SIM System offre la possibilité de piloter votre entreprise au jour le jour en fournissant les indicateurs les plus pertinents. C'est la raison du choix de cette entreprise pour renforcer les capacités opérationnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie du Mali, selon la délégation malienne.